Bien évidemment, des footballeurs qui sont
sur les acteurs principaux du football, sans lesquels le football ne serait pas ce qu'il est. Donc, cette famille du football ne doit pas être prise. Et en football, on parle justement des adversaires. On parle de l'adversaire. On ne parle pas d'ennemi. Et ennemi, je dirais, c'est un terme militaire. Parce que les militaires, quand ils vont au front, ils ont la mission de repousser l'ennemi ou de le maintenir en dehors des frontières. Je ne suis pas militaire, même si j'ai un militaire à ma droite, mais je pense que ce que nous regardons aussi dans les films traduit un peu cet effort des militaires, à savoir repousser l'ennemi, le maintenir en dehors de ses frontières. Et c'est ce que malheureusement notre équipe nationale a vécu avant hier. La fédération gambienne de football nous a accueillis en ennemi. Nous avons été accueillis en ennemi. La preuve, c'est que la fédération gambienne de football a envoyé un officier supérieur de l'armée gambienne, général vice-président de la fédération gambienne de football, pour venir terroriser, traumatiser les joueurs de l'armée nationale. Et notre équipe nationale est donc restée à l'aéroport sous les manœuvres de ce général de 22h45 à 6h30. L'hôtel étant situé à 45 minutes plus de l'hôtel, de l'aéroport, notre équipe nationale est effectivement arrivée à son hôtel aux environs de 7h30. Pour une équipe qui doit jouer à 16h, qui n'a pas d'heure. Je voudrais donc, avant de les livrer à vous pour des questions-réponses, vous faire un peu la genèse des deux rencontres. Ces deux rencontres devaient se jouer au mois de mars. Et déjà au mois de mars, nous avons échangé entre les deux fédérations. Pour l'arrivée de l'équipe gambienne au Gabon, elle s'est organisée comme nous nous sommes organisés, à savoir qu'elle a décidé d'envoyer dans un premier temps des précurseurs accompagnés de journalistes. Ces précurseurs avaient pour chef de délégation M. Modou Sow, qui est un ancien arbitre international que je connais très bien. Quand les précurseurs de la Gambie sont arrivés à l'aéroport de Libreville, les officiers de liaison de la FEGAFOOT qui les ont accueillis leur ont facilité les formalités de police et après ils devaient passer au prélèvement de test COVID-19. Le chef de la délégation s'est opposé. Et l'officier de liaison a plus loin de m'appeler. Donc, Monsieur le Président, nous sommes confrontés à un problème. Les précurseurs gambiens ne veulent pas faire le test, ne veulent pas passer le test COVID à l'aéroport. Et je lui ai demandé, il avait donc demandé de me passer le chef de la délégation. Et se trouvait quelqu'un qui me connaît et que je connais, M. Modou Sow. J'ai expliqué à M. Modou Sow les dispositions gouvernementales appliquées dans notre pays par rapport à ces mesures d'accompagnement de la pandémie COVID-19. Je lui ai dit, à l'aéroport, on m'a signalé la présence de deux joueurs gabonais qui viennent d'arriver. Filez-les, vous allez voir qu'ils vont passer le test comme vous. C'est obligatoire. Et c'est une mesure gouvernementale. Malheureusement, vous ne pouvez pas
ne veut pas le faire. Il a compris, ils ont passé le test et ils sont sortis. Sur la base de ça, au niveau de la fédération, nous avons tenu une réunion pour dire l'équipe gambienne arrive dans 2 jours. Nous sommes au match aller, nous irons aussi en Gambie. Prenons les dispositions pour que l'équipe rentre sans difficulté. Nous avons sollicité et obtenu les autorités sanitaires du Gabon et l'équipe gambienne. L'équipe gambienne, après les formalités de police, après avoir récupéré les bagages, quitte l'aéroport sans passer le test. Et cette équipe est sortie de l'aéroport sans passer le test. Les autorités sanitaires de notre pays ont pris des dispositions pour aller leur faire passer le test à l'hôtel. Ce que je dis, vous pouvez le vérifier auprès des responsables de l'hôtel Radisson, qui a aménagé un coin dans lequel ces tests se sont effectués. Voilà les dispositions que nous avons bien voulu mettre en place pour éviter que l'équipe gambienne passe plusieurs heures à l'aéroport de l'hôtel. En ce qui concerne le transport, les textes de la Confédération africaine de football sont clairs. Si les matchs se jouent en dehors de la capitale, l'équipe adverse arrive jusqu'à la capitale et il incombe à l'association hôte de transporter son adversaire de la capitale jusqu'au lieu du match à l'intérieur du pays. Si la distance entre la capitale et la ville qui accueille le match est située, disons, à plus de 200 km, l'obligation de les transporter par avion se pose. Si c'est à moins de 200 km, ils peuvent prendre un bus. Prendre ces villes, comme vous le savez, très loin de Libreville. Nous avons loué un avion Airbus pour transporter la délégation gambienne de Libreville à Franceville, puis après le match de Franceville à Libreville. Nous avons communiqué ces informations à la partie gambienne. Ils ont appelé réception. La veille de leur départ de Gambie, ils nous ont signalé qu'ils venaient maintenant avec un avion spécial qui ferait 2 plans, un plan de vol à 2 niveaux. Banjul, Libreville, le 10, puis le 11, Libreville, Franceville à l'après-midi. Du coup, la rotation qui était prévue pour l'équipe de la Gambie, qui devait être effectuée par l'Airbus que nous avons loué, c'est des fonds perdus. C'est des fonds perdus parce que nous étions obligés d'annuler un parcours, du coup. Mais comme l'avion était déjà là, et la compagnie a dit, écoutez, moi, je fais déjà un plan de bord, je ne peux pas changer, nous avons dû mettre les 20 membres de la fédération qui devaient aller à Franceville par train dans cet avion Airbus pour aller déposer en lieu et place de l'équipe d'armée. Nous avons donc pris toutes ces dispositions. Alors, le match était prévu donc le 12. Après le match, nous avons dans un premier temps communiqué à la partie gambienne notre plan d'arrivée. Et les mails sont là. Vous pouvez les consulter après. Nous avons informé la Gambie pour ce que notre équipe allait partir de Libreville vendredi et arriver le même jour par la fête. Et puis, après le match, nous avons changé d'avis. Pour dire que l'équipe doit voyager dimanche. Très tôt, pour être à Gambie. Et nous avons communiqué notre plan de vol après concertation avec la compagnie de transport. Nous sommes tombés d'abord sur un départ à 16h pour être à Banjul à 20h. Bon, un affrètement reste un affrètement, autant que l'avion part là où on l'a loué pour Libreville et ainsi de suite. Nous avons pris du retard. Et nous sommes arrivés à Banjul à exactement 22h45. D'ailleurs, quand
le test nous annonçait 22h45 et quand elle nous a annoncé la température pour dire c'est 33 degrés, nous étions à 22h, nous nous sommes interrogés. On dit comment à 22h il peut faire 33 degrés, mais qu'est-ce que ce sera la journée? Bref, je voudrais légèrement revenir sur le protocole sanitaire avant de passer à ce que nous avons vécu à l'aéroport de Bamako. Nous avons, avant le match aller, transmis à la Fédération gambienne le protocole sanitaire du Gabon. Et la partie gambienne nous a transmis une décision gouvernementale qui organise le COVID-19 en République gambienne. Quand nous avons parcouru la décision du Haut Commissariat de la République gambienne, une décision datée du 5 novembre 2020, dans son point 3, il est clairement dit que les passagers à destination de la Gambie doivent présenter des preuves, des résultats PCR de moins de 72 heures. Point. À l'aéroport de Gambie, les passagers africains et européens ne payent pas de visa. Sur le visa, les dispositions prises par le Gabon, c'est-à-dire laisser les Gambiens rentrer, puisque nous n'allons pas payer le visa chez eux, qu'ils rentrent aussi sans visa chez eux. Le visa est payant chez nous. Nous avons réussi à obtenir de nos autorités que les Gambiens viennent sans visa. Alors, donc, sur la base de ce document, qui précise que ce 72 heures, le délai de validité, un test pour rentrer en Gambie, nous avons pris des dispositions pour faire passer notre test à nos joueurs le 14 novembre 2020 pour voyager le 15 novembre. Donc, 15, 16, ça fait 48 heures, notre test était valable. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, je dirais la police nous a reçus normalement, on nous a distribué les fiches de police à remplir, parce que c'est l'aéroport, la pratique là-bas. Nous avons rempli ces fiches de police et nous nous sommes présentés au comptoir, donc là, les cabines de police, pour que chacun, avec son passeport individuellement, puisse faire les formalités de police. Et c'est à ce moment-là que est arrivé un monsieur de blanc vêtu qui est passé de cabine en cabine. Nous, on ne sait pas ce qu'il donnait comme consigne aux policiers qui étaient à l'intérieur. Et le policier de nous dire, bon, écoutez, on fait les formalités, viens passer, vous laissez le passeport ici, allez attendre au hall. C'est ce que tous les passagers de la délégation gabonaise ont été exécutés. L'ambassadeur du Gabon, qui est basé à Dakar, est venu nous attendre, nous accueillir à l'aéroport. Dans son plan qu'il a fait avec les précurseurs, il était question que nous fassions passer les joueurs en premier pour que les joueurs aillent dans le bus et rentrent rapidement à l'hôtel et que les officiels, la presse et les autres pouvaient suivre. Curieusement, ce monsieur, le blanc vêtu, chauve comme moi, a ramassé tous les passeports et est allé les enfermer dans une pièce à côté. J'imagine un poste de police. Et finalement, nous avons commencé à aller dans les négociations avec ces messieurs qui n'a même pas daigné respecter la présence de l'ambassadeur du Gabon dans cette négociation. Il ne voulait rien savoir. Alors, toujours dans cette attente, il y a un officier de la santé qui s'est présenté à nous pour dire « Je viens vérifier les résultats de vos tests. » Le docteur Mbarra a été sollicité puisque c'est lui qui avait ses résultats. Et ses résultats, d'ailleurs, le général qui est ici, un bon stratège, nous avait prévenu en disant « Multipliez les tests de chacun en 3 exemplaires. » À chaque étape, si on vous demande de tout donner, vous déposez, il faut continuer parce que
à l'étape suivante pour pouvoir toujours fournir le même outil. Nous avons fait ça. Le docteur Mbarwe a remis tous les résultats à cet officier de santé qui a regardé tous les dossiers les uns après les autres, les résultats. Et la seule observation qu'il a pu nous faire, c'est de dire vous avez passé ces tests-là à quelle heure? Parce que l'heure n'est pas marquée sur les résultats. Nous lui avons dit non, mais c'est la date qui compte. J'imagine très compréhensible ce monsieur. Il a remis tous les tests au docteur Mbarwe et il est parti. Ce qui n'a pas, c'est que le monsieur, le même monsieur en blanc, n'a pas apprécié. Il s'est un peu emporté contre le monsieur et le monsieur est parti. Quelques temps après, il est revenu avec deux autres, avec des chasubles, qui viennent nous dire, bon, nous sommes venus, nous sommes de la santé, nous sommes venus vous faire passer le test COVID. Nous avons dit non, votre propre texte gouvernemental ne l'autorise pas. Ils ont insisté et nous leur avons dit, nous avons des preuves que ici, à l'aéroport de Banjul, on ne fait pas de test. Certes, si on était dans un avion régulier, on aurait dû voir les autres passagers passer sans faire le test. Mais nous avions la preuve de ce que, à l'aéroport de Banjul, le test n'existe pas. Et c'est dans une décision gouvernementale. Ça, la décision que nous avons prise. Datée du 5 novembre 2020, établie par le Haut Commissariat de la République de la Gambie. La deuxième preuve, c'est que le ministre de la Jeunesse et des Sports du Gabon, qui est arrivé à Banjul en début d'après-midi, a effectué ses formalités de police, normalement. Il a récupéré ses bagages et il est sorti de l'aéroport sans passer le test. Les précurseurs que nous avons envoyés préparer l'arrivée de l'équipe en Gambie sont arrivés à l'aéroport de Banjul, ont effectuer leur formalité de police, de douane, et sont sortis de l'aéroport sans faire de test. Bon. En un mois comme en plusieurs, nous sommes restés là de 22h45 jusqu'à 6h30. Dans les discussions, certains membres de la délégation m'ont proposé d'appeler le ministre de la Jeunesse et des Sports du Gabon, qui était dans son hôtel. Je n'ai pas jugé opportun de l'appeler à 2h du matin, parce que je me suis dit, si j'appelle le ministre, c'est pour que lui aussi fasse intervenir son collègue. Mais comment appeler le ministre à 2h du matin pour qu'il fasse intervenir son collègue aussi à 7h, très avancée de la journée. Nous avons donc attendu jusqu'à 5h. Et à 5h, nous avons pensé qu'à 7h-là, le ministre pouvait être déjà sur pied. L'ambassadeur a démarré sa voiture pour aller chercher le ministre de sport à l'hôtel. Le ministre est venu nous retrouver. Pour que le ministre accède à l'équipe, il a passé plusieurs fois. Alors, il ne voulait pas. Et après, il a passé plusieurs fois. Il est arrivé sans solution. Il était assis. Comme vous avez pu voir le manquer dans les images, il a discuté. Je lui ai fait le compte rendu, naturellement. Il a discuté avec le coach, avec le capitaine. Mais nous étions toujours là en attente. Et puis, curieusement, à 6h30, les gens viennent pour dire, bon, écoutez, prenez vos passeports, maintenant vous pouvez partir. Entre-temps, ce ministre, ce monsieur qui donnait des instructions de gauche à droite n'était plus là. L'acte qu'il a posé en dernier avant de partir, c'est que quand il a vu que nos joueurs commençaient à s'allonger, il a fait couper la clé. Et il a dit. Nous sommes allés à l'hôtel et quelque chose m'a trotté dans la tête pour dire à la réunion technique, généralement c'est l'intendant qui y va. Et le docteur Mbarwe, pour la partie médicale. Parfois, le chargé du matériel pour aller présenter les échantillons de maillot. Mais j'ai décidé de ne pas dormir et d'aller plutôt à la réunion technique. Je suis arrivé à la fédération, à la réunion technique. J'ai trouvé le commissaire et les arbitres, et le quatrième arbitre, et l'inspecteur des arbitres. Et on attendait la partie gardienne. La réunion a commencé à 11h, certainement parce que le fameux monsieur qui était avec nous à l'aéroport était là aussi dans cette réunion. Alors, donc, à la réunion technique, curieusement,
curieusement. On commence toujours la réunion technique, le commissaire ouvre la réunion et puis passe la parole à la partie haute, à la fédération haute, pour souhaiter la bienvenue et ainsi de suite, les civilités aux autres, notamment les officiels, l'équipe adverse et autres. Et après, on procède à la présentation des gens qui sont autour de la table. Et c'est là que j'ai été sidéré. Sidéré de constater que le monsieur qui nous a fait traverser un calvaire, qui était à la manœuvre pour traumatiser les joueurs d'avant, ce monsieur est un général. Et ce monsieur est vice-président de la Fédération Gambienne. J'étais sidéré. Nous avons démarré la réunion technique et vous comprenez que le commissaire était briefé. Le commissaire a ouvert la réunion et puis a commencé à dire, monsieur le président, vous savez, il y a la loi de la CAF, mais chaque pays a ses règlements. Vous devez respecter la réglementation de la Gambie, vous devez passer le test à l'aéroport. Bien. Je lui ai fait un peu la genèse de ce que je venais de vous dire. Et j'ai expliqué au commissaire que le ministre des Sports est passé sans faire le test. Que nos précurseurs sont passés sans faire le test. Et que je lui ai dit, vous, monsieur le commissaire, vous êtes arrivé, vous avez fait vos formalités de police et vous êtes passé sans faire le test. Les arbitres qui sont là, ils ont fait les formalités de police et ils sont sortis sans faire le test. Dites-moi si la pandémie Covid-19 ne concerne que les joueurs gabonais. Pas les Gabonais, parce qu'il y a trois Gabonais précurseurs qui sont passés. Le ministre des Sports, c'est un Gabonais, il est passé, mais seulement l'équipe. Non. Je dis que je ne peux pas accepter de faire passer le test à mes joueurs parce que j'ai un test en cours de validité. Et le monsieur n'a rien voulu savoir. Donc, j'ai expliqué ça au commissaire. J'ai dit, monsieur le commissaire, montrez-moi le résultat de votre test que vous avez passé ici. Il dit, monsieur le président, pour être franc, j'ai présenté le test que j'ai fait chez moi, voilà. Il a présenté un test fait à Fritam. Il dit, voilà mon test, et je l'ai présenté à l'aéroport, on m'a laissé passer. J'ai dit, monsieur le commissaire, voilà la situation. Pendant que nous étions en réunion, le téléphone du commissaire a sonné. Il s'est excusé parce qu'il a remarqué que c'était le secrétaire général qui l'appelait, de la CAF. Il est sorti, donc, écouter le message du secrétaire général de la CAF. Et quand il est revenu, il a dit, bon, écoutez, je viens d'avoir le secrétaire général de la CAF. Après la réunion technique, nous aurons une visioconférence par rapport à la situation qui prévaut, parce que la CAF a vu les images et elle s'est indignée. Elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Nous aurons une visioconférence. Moi, je n'avais plus le droit d'intervenir à la réunion. J'attendais maintenant cette visioconférence parce qu'il fallait parler à la CAF directement. Et nous avons donc tenu cette visioconférence avec le secrétaire général, accompagné du secrétaire général adjoint, accompagné du directeur des compétitions, accompagné du chef du département de technique et développement. Et côté gambien, il y avait le secrétaire général et notre vice-président, puis le bourreau de l'équipe du Gabon, le général Tamba, qui était là, que j'ai découvert en réunion technique comme étant vice-président et général. Alors, dans la réunion, la CAF a commencé naturellement par dire aux Gambiens que ce qui s'est passé n'était pas digne de notre continent, que ça ternissait l'image de notre football, de notre continent et tout ça. Donc, nous avons tenu cette conférence. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Ils ont essayé de se défendre en disant que les Gabonais ont refusé de présenter les tests du Covid-19. C'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu qu'ils passent. Bon, tout à fait logique que la CAF me demande pourquoi nous avons refusé de présenter les tests.
J'ai répondu à la CAF qu'aujourd'hui, le résultat du test Covid est un document de voyage, au même titre que le passeport. Si nous avons pris la peine de faire notre test d'attente de 48 heures, c'était pour prouver à l'aéroport, aux autorités sanitaires de la Gambie, que notre test a été fait et est dans les délais. Donc, pour quel intérêt le Gabon devait cacher le test? Alors que c'était un document de voyage aujourd'hui. Vous ne pouvez pas rentrer dans un pays sans présenter ce document qui prouve que vous êtes négatif et par conséquent, vous pouvez franchir la frontière. On n'avait pas l'intérêt à le cacher. La CAF a compris et puis la CAF nous a demandé de faire le match, de respecter les textes et qu'a fait à la fin la Confédération africaine du football avait pris des dispositions pour mener les enquêtes et les représentants de la CAF ont promis naturellement de prendre des sanctions qui s'imposent vis-à-vis de ceux qui ont tort. Mais je voudrais dire par rapport à la situation que la CAF va prendre, vous savez, ce qui s'est passé à Banjul. Peut-être que Jean-Michel Mbono, quand il jouait au foot, il a vécu ça. C'est sûr qu'il a pu vivre ça. Les grands joueurs africains ont certainement vécu ça. Ce sont des pratiques du Moyen-Âge. Ça, c'est ce qu'on retrouvait en Afrique il y a 30 ou 35 ans. Pas au 21e siècle, pas en 2020, on ne peut plus aujourd'hui aller dans un pays et vivre ce que nous avons vécu à Banjul. La CAF va prendre sa décision. Ce que les Gambiens ont fait, la manœuvre de la Gambie a payé dans ce sens que elle est arrivée à l'aéroport, bloquer les Gabonais, les empêcher de dormir, pendant que l'équipe de la Gambie était à l'hôtel en train de dormir, ils ont mangé, bien dormi. Notre équipe ne pouvait pas dormir. Et l'organisme de chacun, ou de tout sportif, nécessite un repos. Parce que le football, c'est un sport qui se joue avec beaucoup d'intensité. Et ça dure 90 minutes. Si en athlétisme, par exemple, un athlète se dort, prend des produits dopants, et bat un record, on lui met la médaille au cou et il rentre chez lui champion du monde, champion d'Afrique, champion des siècles. Mais si quelque temps après on découvre que pour réaliser cette performance, il a dû prendre des produits pour élever, augmenter ses capacités physiques, on le sanctionne. La sanction, c'est quoi? On lui retire la médaille et on la remet à son origine. Je pense que cet exemple est clair. Les manœuvres de la Gambie qui consistaient à épuiser les joueurs gabonais en leur privant de repos pour qu'après ils les livrent à leurs joueurs en proie, je pense que la CAF doit regarder ça de très près. Il n'y a plus d'équité à ce niveau-là. Quand une équipe qui a bien récupéré joue avec des gens qui ne se sont pas reposés, qu'ils décident de ne pas se reposer, c'est une chose. Mais que l'adversaire vienne mettre des manœuvres pour les empêcher de dormir, je pense que peut-être que demain, la Gambie, qui cherche une première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être que la Gambie va se qualifier. Je pense aussi que le général Tamba, vice-président de la Fédération gambienne de football, sera décoré parce que ce sera lui le véritable héros de cette qualification de la Gambie. Si la Gambie se qualifie demain, ce sera le général Tamba, le véritable héros. La performance de
la Gambie. Et imaginez-vous que la Gambie va jouer un match contre l'Angola. La Gambie a un objectif à atteindre, c'est de se qualifier pour la première fois en utilisant les manœuvres de ce genre. Qu'est-ce que les joueurs angolais vont vivre en Gambie? Si la Gambie est au mieux, et si la Gambie doit forcément gagner l'Angola pour se qualifier. Je crois que... J'espère que ça n'arrivera pas. Mais, soit dit en passant, les Angolais doivent prendre des dispositions pour éviter la torture. Un haut officier de l'armée gambienne est venu torturer les joueurs gabonais moralement à la longue. C'est ça la torture. Et ça, ce sont des manœuvres militaires qui ne sont pas encouragées. Ce genre de dirigeants ne mérite pas d'être des dirigeants sportifs. Des gens qui se comportent de cette façon. Pendant notre attente, j'ai sollicité l'intervention de mon collègue, le président de la Fédération gambienne. Je l'ai appelé, je lui ai dit, monsieur le président, je l'ai appelé avec le téléphone de l'ambassadeur. Je l'ai appelé avec le téléphone de l'ambassadeur un peu expressément. Pourquoi? Parce que moi qui l'appelle, je suis président d'une fédération, c'est des amis, on est des amis. L'ambassadeur qui m'a passé son téléphone est un collègue, soit dit en passant, puisque le président de la Fédération gambienne de football a exercé les fonctions d'ambassadeur. Donc, pour le respect de son collègue ambassadeur, le représentant de la partie du Gabon, qui le sollicite, tout ce que mon collègue m'a dit, écoute, président, ça c'est la police, ce n'est pas la fédération. Mais ce qu'il m'a pas dit, c'est que le type à la manœuvre, c'est mon vice-président, il est général. Vous voyez, est-ce que de cette façon, on peut parler de famille du football? Si pour un match de football qui ne dure que 90 minutes, nous ne sommes pas là, nous dirigeants du foot, nous ne sommes pas là pour nous faire valoir. Nous sommes là pour accompagner le football. Moi, je pouvais rester deux nuits à l'aéroport de Banjo, mais pas les joueurs. Pas les joueurs. Et tout le monde entier a vu que les footballeurs ne sont pas respectés en Afrique. Moi, je ne fais que recevoir des coups de fil de Arsenal qui me demandent quand est-ce qu'on va me rendre, quand est-ce qu'on va me rendre, quand est-ce qu'on va me rendre. J'ai essayé d'appeler, il dormait. Et après, quand il m'a donné son programme, j'ai communiqué à Arsenal. Arsenal a eu peur. Pas seulement que Arsenal. Donc, tous les clubs européens qui ont vu les joueurs dans ces conditions s'imaginent que leurs joueurs qui sont allés en Afrique, si le Gabon a eu le courage de présenter ça, les autres ne présentent pas. Voilà l'idée, voilà l'image que nous avons donnée au monde entier à travers le comportement du général Tarma, officier supérieur de l'armée gambienne. Je pense que je vous ai fait un peu le point des deux matchs, le match aller et ce que nous avons vécu à Banjul. Sur le terrain, vous avez tous vu que nos joueurs, avec le peu de ressources qu'ils avaient, ont fait un bon match, un match très relevé en première mi-temps. Mais l'organisme, à un moment, ne peut plus soutenir l'effort parce que cet organisme, naturellement, n'a pas été préparé pour cet effort. On ne peut pas aller au-delà de la fatigue. Et c'est ce que nos joueurs ont fait pour respecter le temps réglementaire et aller jusqu'à 90 minutes. Maintenant, même s'ils pouvaient aller à genoux, ils n'avaient que ça à faire, terminer le match.